Des dégâts matériels et humains enregistrés après la pluie de ce dimanche dans la ville de Butembo. Les dégâts, pour la plupart, ont été signalés en commune de Boulengera. Un reportage de Julien Vouya. C'est dans l'après-midi de dimanche qu'une pluie est tombée sur le sol de la ville de Boutembo. Accompagnée d'un vent violent, la pluie a fait des dégâts humains et matériels en commune Boulengera, signale la société civile. John Kameta est président de Force Vive, noyau de la municipalité de Boulengera. Dans ce qu'on appelle le pot sauvetage, dans la cellule Vinyabwanga, c'est là où ce corps sa vie a été retrouvé. Et il faut le dire que c'est un corps d'un homme qui a environ 35 ans, mais cette personne n'avait pas de pièce d'identité pour essayer d'identifier la personne en question. Et après des enquêtes, les autorités ont décidé d'amener ce corps au niveau de la morgue de Matanda. Nous sommes en train de penser que c'est à cause de cette pluie que la personne a perdu sa vie à partir des eaux et des pluies. Une personne qui est tombée dans une rivière. À part le cas de mort, la pluie a aussi fait des dégâts matériels, note la même source. Beaucoup de maisons ont perdu leur toiture et les personnes qui restaient dans ces maisons se sont retrouvées dans des parcelles d'accueil, dans des familles d'accueil. Mais au-delà des pertes de toitures, il y a eu des biens qui ont été endommagés. Nous lançons aussi un appel vraiment très vibrant aux personnes de bonne volonté, de voir comment venir en aide aux personnes qui ont vraiment perdu leur bien, leur maison. Il faut signaler que les dégâts, pour la plupart, ont été enregistrés au quartier Wayene, c'est dans la périphérie est de la ville de Boutembo. Julien Voya Boutembo, B1.